qui n'a jamais rêvé de posséder son propre voilier? Avec le multimono, c'est désormais chose possible. Son concepteur a imaginé un bateau rigolo sur lequel on peut ramer, aller à la voile ou même au moteur. Un bateau idéal pour les adolescents, par exemple, qui aiment s'amuser sur l'eau. Attention, tout le monde, de l'avant vers l'arrière. On pagaye. Allez, on pagaye normalement, ensemble. J'aimerais que vous ramiez d'une façon plus sportive. On est prêts? Allez, on y va. Et je dois entendre le souffle, là. On serre le bide. Allez, on l'emmène, ce bateau. Oh! Oh! Ce petit bateau, je l'ai conçu après 30 ans d'expérience en tant que prof, longtemps, et puis aussi que de papa, parce que j'ai eu des enfants pendant 20 ans sur un bateau tous les étés, et il fallait un bateau joyeux qui puisse changer de configuration dans la journée et passer selon les différents modes de propulsion. Bon. Les écoles de voile devaient trouver dans cet engin une plateforme ludique et polyvalente qui leur plaît bien, qui permet d'enseigner toute l'année. Et puis j'ai déjà vendu quelques bateaux à de jeunes grands-pères qui éventuellement le construisent. Et quand ce n'est pas les vacances scolaires, ils mettent un moteur pour aller à la pêche. Et puis quand c'est les vacances de Pâques, eh bien, on sort le mât. Le bateau est aux normes européennes. Il est auto-redressable, équipage complètement passif lorsque les ballasts sont pleins. Et il est redressable, ballast vide, par une seule personne active. C'est-à-dire qu'elle va monter comme sur un 420. C'est tout à fait étonnant. L'eau arrive à peu près à la moitié du bateau. On est très près du centre de gravité. Ma fille monte sur la dérive et hop, ça se redresse. Donc 50-60 kg, il se redresse tout seul, voile haute.